Bonsoir et bienvenue sur cette deuxième conférence de eSport Challenge 2021. Ce soir, cette conférence portera eh bien sur l'éducation par le sport et l'e-sport. Nous allons être rejoints par plusieurs invités, hein, comme vous avez l'habitude. Donc le premier invité sera Nicolas Sauvan-Magnier, qui est vice-président de la Chambre des commerces et de l'industrie du Pays d'Arles, président Maximus Cup. Nous allons être rejoints aussi par Corinne Martin, qui est au Cross et qui va nous présenter le BPJEPS. Donc le Cross, c'est le Comité Régional Olympique et Sportif Région Sud. Et donc il va nous présenter, pardon, le BPJEPS pour devenir du coup animateur e-sportif, donc sport e-sport. Et la troisième personne sera Jawad Elmiri, qui nous vient de la société EDIS, anciennement Made in Soft, et qui va nous parler de son expérience et de son de tout simplement de son expérience dans le milieu. Le premier sujet va traiter du coup va se diviser en quatre parties. Ma première question va se porter sur une question de santé publique, de prévention qu'on peut rencontrer souvent non seulement dans le sport mais aussi dans l'e-sport. Nicolas, je t'avais déjà posé la question évidemment la semaine dernière au niveau de la santé et de la prévention. Du coup, toi, par l'association Maximus Cup et par ton ta mission en tant que vice-président de la Chambre des commerces et de l'industrie du Pays d'Arles, qu'est-ce que tu peux en tirer du coup de cet aspect-là, de cet aspect santé publique prévention? Alors, comme effectivement, je l'avais déjà dit la semaine dernière, le côté chambre de commerce, donc nous sommes des élus. Je suis d'entreprise, donc qui a été élu pour représenter ses pairs à la chambre de commerce. Donc, on a plus nous une vision sur ce qui est le sport et la santé par le sport pour nos salariés. Une vision grand public sur ou sur la jeunesse et il est évident que on est très attentif à toute initiative qui pourrait permettre de faciliter l'accès au sport pour nos salariés, pour les entreprises. Quand on se trouve alors c'était mon cas jusqu'à peu parce que j'ai rapproché mon entreprise d'Arles, mais j'étais dans un petit village au nord des Bouches-du-Rhône, où on ne peut pas dire qu'on trouve une salle de sport à tous les coins de rue, ou etc. Donc, on suit, nous, de près, tout ce qui peut permettre et faciliter l'accès au sport pour nos salariés, y compris si c'est dans un cadre, on va dire, encore pour permettre aux entreprises d'aller faire du sport avec des salariés d'autres entreprises, tout ce qui peut être tournoi de foot, etc. Enfin, toute initiative qui va entraîner les salariés à aller faire du sport en dehors de leurs heures de travail, mais sans que l'employeur, enfin, avec ce que l'employeur puisse être un facilitateur s'il le faut pour organiser des horaires, pour permettre un petit tournoi, une petite chose, en fait, tout ce qui peut faciliter de près ou de loin l'accès au sport et aux infrastructures sportives. D'accord, merci. Oui, donc effectivement, on en avait déjà discuté la semaine dernière. Il y a un vrai aspect là-dessus. Jawad, à travers EDIS, est-ce que la question de la santé et de la prévention, c'est quelque chose qui est au cœur de la réflexion de ce que peut proposer EDIS? Oui, alors elle va être au cœur évidemment, mais elle va s'inscrire dans un processus plus global. L'idée qu'on a aujourd'hui, effectivement, on travaille avec un public qui reste en marge de l'emploi, donc qui n'a pas forcément accès à l'information, j'ai envie de dire, ou aux habitudes on va dire de ce que d'un champ plus large de santé publique. Donc nous, en fait, on va s'atteler à lui apporter l'information et la formation du coup sur tout l'aspect, on va dire, hygiène de vie. Au global. Donc, parce que la santé, effectivement, par le sport, c'est aussi une nourriture qui va avec, c'est aussi tout un cycle, on va dire, un processus qui s'inscrit sur la durée. Et donc, nous, on travaille avec nos candidats, justement, à un rééquilibrage global qui comprend, bien évidemment, cette notion de santé aussi. Donc, l'accès à la santé est D'accord. important, puisque pour nos salariés et même pour éviter en emploi, en sciences d'emploi, les risques, la prévention des risques, notamment d'accident de travail, c'est une notion qui reste importante. Bien sûr.
Effectivement, quand on parle de prévention, de santé, moi je pense tout de suite au BPJEPS qui est connu pour justement de former ses animateurs sportifs, ses coachs, etc. Là, avec l'ouverture évidemment de l'e-sport au BPJEPS, quels sont les aspects qui ont changé et comment on aborde la question de la santé et de la prévention dans un milieu e-sportif? Alors, la santé, c'est forcément une préoccupation permanente hein, dans les formations d'éducateurs sportifs et d'éducatrices sportives, et que ce soit en sport plutôt traditionnel ou en tout cas connu, et puis en e-sport, l'essentiel est que les personnes puissent s'épanouir dans la pratique et dans des bonnes conditions. Et donc, on va être vigilant, bien entendu, à tout ce qui peut être excès, pratique excessive ou pratique qui pourrait conduire à des addictions ou à des troubles musculo-squelettiques ou à des problèmes d'attention, de concentration, etc. Donc, dans l'e-sport, on va trouver les mêmes possibilités d'être en bonne santé dans la mesure où c'est une hygiène de vie qu'on va leur proposer, hein, une hygiène aussi de maintien et d'entretien physique, et aussi bien pour les coachs sportifs que pour les personnes auxquelles ils vont s'adresser. Il faut considérer la pratique sportive comme complémentaire, hein, à la bonne santé et au maintien de la condition physique. Très bien. Donc c'est quelque chose qui est vraiment qui est bien au cœur de la réflexion, quoi. C'est parti pour Jawad, moi, on en parlait. Ouais, bien sûr, bien sûr. Jawad, on parlait tout à l'heure de. Tu parlais tout à l'heure d'habitudes alimentaires, par exemple. C'est une forme de consommation. Ce qu'on va chercher. Dans le sport et dans l'e-sport, je pense, c'est bien sûr pratiquer de la bonne manière son sport ou son e-sport. On a vu des gens se blesser au sport, on a vu des gens pas se détruire la santé, mais se blesser quelque part en pratiquant tout simplement de l'e-sport, parce qu'il y a un manque de peut-être de rigueur chez certaines personnes. Il y a tout un aspect de sensibilisation là-dessus. Jawad, toi, voilà ton expérience et dans ce que tu peux proposer aujourd'hui, la consommation, la pratique du sport, c'est quelque chose qui se traduit par des cours, par de la sensibilisation envers les gens qui pratiquent ces activités? Alors, Jawad? nous, on a en fait Ah, on a un aujourd'hui petit peu de retard qu'à de. mesurer pratiquement. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce On a un que petit vous problème de connexion, je m'entendez? crois que ça va mieux. Ouais, ça va un Là, peu vous mieux. m'entendez? Ça va? Pardon. Ouais, c'est bon, Je vous disais, nickel, voilà, il ne parfait, faut on pas, peut y aller. voilà, il faut pas oublier que dans la pratique du sport, ça a un coût aujourd'hui. On a la chance, nous, ben, on le voit ce soir, hein, de vivre dans une région qui est assez ensoleillée. Donc on peut aussi l'exercer dehors. Dans notre territoire, c'est un peu plus compliqué. Donc déjà, il y a cette notion de comment je pratique mon sport aujourd'hui, ou le e-sport en manière globale, à quelle fréquence. Donc je pense qu'il faut instaurer avec l'ensemble des personnes tout un dialogue, un échange avec elles, et leur expliquer aujourd'hui déjà comment je peux pratiquer mon sport. Donc des fois, pour le sport, on n'a pas besoin forcément de matériel spécifique, on peut le pratiquer à l'extérieur. Uniquement sur des exercices accompagnés, ça peut se faire comme ça. Et de ce fait, on va proposer, avec un intervenant extérieur, hein, proposer aussi aux personnes de s'inscrire durablement dans l'insertion par le sport, tout un programme aussi dans la partie consommation. Et de savoir pareil, c'est comment je consomme. Dans la consommation aussi, il y a une notion de coût, hein, il ne faut pas l'oublier, pas le négliger. Il y a des personnes qui n'ont Bien peut-être sûr. pas forcément les moyens de bien consommer. Donc à partir de là, on peut aussi consommer différemment et consommer autrement. Et donc, c'est tout cet apport, on va dire, d'informations qu'on va travailler aussi pour expliquer bah, effectivement qu'aujourd'hui, on peut manger mieux. Je ne vais pas rentrer dans le manger bien, manger mal, mais manger mieux, j'ai envie de dire, sans forcément engendrer plus de frais.
Et donc, c'est cette notion d'équilibrage, toujours hein, dans la justesse, de trouver un juste équilibre entre ben, comment je vais pratiquer mon sport. Il ne s'agit pas forcément de faire des grosses séances de 3 heures, mais si je fais, si j'arrive à me libérer, j'ai envie de dire, une demi-heure, les 3 jours dans un premier temps, ça peut être suffisant, et ainsi de suite. Donc, c'est toute cette approche de trouver un juste équilibre entre ce que je peux dégager comme temps, comme argent, et comment je peux le consommer. Très bien, ouais, effectivement. Donc il y a vraiment toute une partie de d'éducation à faire là-dessus. Nicolas, tu parlais de la présentation d'offres sportives aux entreprises, aux tournois, etc. Et là-dedans, il y a la volonté aussi d'entraîner les gens à peut-être pratiquer plus ou pratiquer en tout cas mieux leurs habitudes sportives s'il y en a ou leurs habitudes e-sportives s'il y en a. Pour ma part, je pense que pour les salariés, déjà le challenge, c'est pour une bonne partie, c'est tout simplement se mettre à pratiquer, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui pratiquent pas ni sport ni e-sport, hein, donc c'est, je suis pas sur le débat du mieux encore, ça c'est l'amélioration, c'est d'offrir une facilité d'accès et puis de donner envie, on y va entre collègues, on y va, etc. Ça peut être des choses simples, on va courir à deux. Et pas tout seul parce qu'il y a la volonté, etc. Puis j'ai pas le temps, je vais rentrer. Si par contre on se fixe un rendez-vous pour le faire, on dit tous les jeudis ou tous les vendredis à 16h quand on a fini, bah, une heure, etc. Il y a l'entraînement qui est fait avec l'autre, on a rendez-vous. Alors que si on est tout seul, bah, on se dit, bah, c'est pas grave, la semaine prochaine, on saute et la semaine d'après. Donc c'est plus je suis pas encore, moi je passe dans la démarche du mieux. Je suis déjà dans la démarche tout court de redonner l'envie d'aller au sport et surtout de pratiquer ensemble. Et ça rejoint un sujet dont on avait débattu, c'était l'e-sport, ça va pratiquer ensemble. Donc, et l'un n'est pas incompatible avec l'autre, on peut dire ben, vendredi on va faire au foot et vendredi prochain on va faire de l'e-sport, on va faire un FIFA, on va faire une console, on va faire. Voilà, ça me parlait de grands tournois avec de grandes prétentions. C'est Bien sûr. le lien social et la pratique sportive. Oui, bien sûr. Oui, donc on est sur les mêmes termes. Corinne, dans la formation BPJEPS dans laquelle tu es spécialisée, hein, si je peux dire, il y a du coup toute la partie, je pense, où il doit y avoir voilà cette éducation qui doit être amenée aux étudiants voilà sur la pratique du sport sur ce qu'il en est enfin sur comment le pratiquer et comment le consommer en fait tout simplement. Oui, parce que la formation qu'on leur propose, c'est d'abord et avant tout une formation d'éducateurs et d'éducatrices sportives, toute activité. Ce sont des personnes, dans le milieu sportif, on peut dire, hein, ce sont les couteaux suisses du sport. Ils sont capables d'encadrer des activités en sport co, mais aussi en VTT, en tennis, en gymnastique. Et le public avec lequel ils travaillent le plus souvent, ce sont des personnes de tout âge, c'est-à-dire aussi bien des enfants que des adultes, que des seniors, etc. Et voire même des personnes qui ont des difficultés avec leur santé, avec peut-être des maladies, et qui ont besoin de retrouver une qualité de vie, et donc une qualité aussi eh bien dans leurs activités au quotidien, dans leurs activités de déplacement aussi bien professionnel que de loisirs. Et la pratique du e-sport est une pratique qui peut être adaptée à certains publics, mais en tenant compte, encore une fois, hein, du bien-être global de la personne. C'est-à-dire que là, la pratique sportive est quelque chose qui permet de mieux vivre et surtout de mieux s'exprimer. Et je reprends ce qu'a dit Nicolas, c'est aussi et avant tout une pratique sociale, le sport. C'est une pratique qui nous permet de nouer des liens, de rencontrer des personnes, de s'exprimer dans la société. C'est vraiment quelque chose de global.
Oui, c'est des liens sociaux, c'est rattaché aux autres personnes, c'est partager des moments, c'est assez fédérateur en soi. Hein. Donc Oui, c'est quelque complètement. chose qu'on trouve dans l'e-sport comme dans le sport. Hein. Nicolas, toi qui a vu les deux facettes, tu as pu voir avec la surprise Maximus Cup que effectivement ça ramène tout type de gens et puis ça les fédère ensemble autour d'un même but qui est là, qui était le jeu vidéo dans ce cas-là. Ah oui, effectivement, quelle surprise, quelle découverte. Parce qu'avant 2017, c'était un milieu que je ne connaissais pas du tout, en fait. Hein. Et quand on a eu la folle idée de créer Maximus Cup à Arles, notre président, il a cherché un peu dans ses élus qui pourrait bien s'occuper de ça. Donc il a cherché, il a dit ça, non, ça, non, ça, non. Oh, ben informatique et télécom, Nicolas, ça ira très bien. Et voilà. Mais je ne connaissais pas plus que ça. Voilà. La différence, je sais comment brancher un câble réseau, tout ça, pour faire une LAN. Mais c'était un milieu qui m'était complètement inconnu et que j'ai découvert avec une grande surprise et bonne chose. Effectivement, moi aussi, il y a une cinquantaine d'années, un petit peu sur des clichés autour des jeux vidéo et ce genre de choses. L'adolescent boutonneux enfermé au fond de ça là. Et on a pu voir avec Maximus Cup et notamment les petites étapes. Un petit aparté, Maximus Cup, c'est un gros événement en fin d'année au Palais des Congrès, avec beaucoup de joueurs, des grosses LAN, etc. Mais on a aussi parcouru notre territoire, le territoire du pays d'Arles, dans plusieurs communes, y compris des petits villages hein, avec 1000 habitants. On est arrivé dans les salles des fêtes, avec nos consoles, etc. Aperçu que les gens, ils étaient friands de venir jouer ensemble. C'est-à-dire qu'ils ne se déplaçaient plus pour aller voir l'équipe de foot du village jouer ou je sais pas quoi, des événements dans la commune. Et pour ça, ils sont sortis de chez eux. Ils étaient friands de jouer ensemble. Donc ça casse, ça éclate complètement le cliché de je m'enferme dans le noir pour jouer aux jeux vidéo. Non, si on me propose de venir jouer ensemble dans une salle, de se retrouver, etc. Et donc de partager aussi autre chose que du jeu vidéo. Tous ces gens sont preneurs. Et donc c'était la véritable très très bonne surprise de ma découverte du milieu de l'e-sport. Entre autres, Du milieu une du autre bonne sport, ouais. surprise. Bien sûr. Du coup, on va revenir un peu sur le sujet de la sensibilisation. Jawad, j'aimerais te poser une question au sujet de ce que tu peux mettre en avant sur peut-être les risques, les dangers qu'on peut avoir avec le sport comme l'e-sport. Hein, les deux ont leurs écarts, leurs dangers, si je puis dire. Sur la sensibilisation, qu'est-ce que tu as pour habitude de dire en premier, mettons, sur ces pratiques-là? Tu l'as bien dit, hein, les deux pratiques ont leurs dérives, comme toute pratique. Donc là, il faut faire attention, effectivement, à veiller, et comme l'a dit Corinne tout à l'heure, donc la partie addiction pour le e-sport, à pas être dans ces dérives-là, dans ces travers-là, à ne pas tomber dans une forme d'isolation, hein, de s'isoler, de se couper un peu des personnes. Donc l'idée, c'est que, effectivement, et on l'a dit, Nicolas et Corinne l'ont dit, on est sur deux vecteurs de lien social. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est que ces pratiques-là doivent quand même s'intégrer dans le cadre de groupe. Et donc on encourage effectivement à faire ça en groupe, et c'est comme ça qu'on renforcera les liens et que les personnes vont aussi, pour celles qui sont un peu plus timides, ben, permettre de s'exprimer différemment et mieux derrière. Donc la première des choses, c'est de dire, voilà, de créer, ben, comme dans le e-sport, hein, c'est de créer des teams déjà, pour pratiquer ensemble et échanger du coup ensemble, parce que même en faisant du sport, Nicolas l'a dit, quand on discute à deux, on peut discuter de différents sujets, s'apporter peut-être des informations qu'on n'aurait pas, et du coup, nous, ça va nous aider derrière dans l'emploi, parce que dès qu'on crée des teams dans le sport ou dans l'e-sport, on essaie de reproduire ça en emploi, et de proposer du coup à ces personnes-là de continuer à travailler en team. Donc déjà, le premier axe pour nous, ça va être celui-ci. Ensuite, dans la pratique, bah, il faut bien évidemment mesurer, éviter les excès, pour le sport en l'occurrence, les risques de blessures graves qui demain peuvent conduire, bah, à un arrêt de travail, etc. et peuvent
peuvent se compliquer par la suite. Donc l'important dans la pratique, c'est qu'elle soit encadrée d'une façon, ne pas se lancer comme ça Ouais. tout seul. Et si, donc ça c'est pour éviter l'ensemble des dérives. Et surtout, nous, j'insiste là-dessus, hein, c'est vraiment cette notion de team et de faire ça en équipe. Et de proposer, donc ça peut être deux, trois, peu importe, mais de proposer du coup des sessions de groupe pour travailler ensemble, que ce soit sur une partie de foot, que ce soit pour aller faire un running, que ce soit pour une partie de e-sport, etc. Et d'éviter de s'isoler, justement de se couper des autres, bien au contraire. D'accord, donc il y a vraiment cet aspect-là communautaire, si tu puis dire, qui rapproche les gens, qui les fait travailler ensemble, qui crée des équipes, qui crée des liens, qui les apprend à s'ouvrir à l'autre. Ça peut aider évidemment beaucoup de gens, hein, puisque le sport a aidé à faire ça historiquement depuis des années. L'e-sport étant assez nouveau, c'est vrai qu'il y a, comme Nicolas disait, cet aspect un peu, on reste tout seul chez soi, on joue dans son coin, et souvent on peut y être addict. Bon, on a vu énormément ça, on en a parlé beaucoup pendant ces dernières années, qu'il peut y avoir vraiment ce risque-là, mais c'est vrai que c'est la bonne idée de ramener ça en physique, avec voilà, réunir des gens physiquement et leur dire ben voilà, on va travailler ensemble, on va faire des équipes ensemble, on va s'ouvrir aux autres, en fait, on va s'ouvrir à son prochain, et ça c'est quelque chose qui fédère et qui a cet aspect communautaire très positif, en tout cas. Nous aujourd'hui, c'est la vision qu'on a en fait, puisqu'on se dit, on se rend compte que aujourd'hui, pour les entreprises de travail temporaire ou les entreprises classiques, on assiste à une problématique de main-d'œuvre. Et donc, on a un public qu'on n'arrive pas à faire venir. Et plutôt que de se dire, bah, pourquoi ce public ne vient pas, c'est de se poser la question de comment je peux le faire venir. Donc, en sensibilisant les personnes à travailler ensemble, en créant des teams, donc au-delà de l'aspect communautaire, hein, c'est vraiment des équipes, hein, qu'on essaie de reproduire, bah, l'idée c'est de dire que demain, sur ce format-là, moi, entreprise, je pourrais dire à un public que je vais aller chercher pour travailler avec moi, bah, moi, l'entreprise, essaie de l'avoir un peu comme un jeu. Et est-ce que tu fais partie de Ouais. mon équipe du coup? Et en invitant les personnes à faire partie de son D'accord. équipe, je pense que c'est aussi un moyen de voir le recrutement différemment. Et pour reprendre l'expression qui m'a été donnée cet après-midi, c'est aussi une manière de gamifier un peu le recrutement. D'accord, ouais, ok. Ouais, c'est de sortir un peu de l'aspect, comment dirais-je, très ouais, discipliné. C'est pas discipliné que je cherche, plus un aspect ancien, Non, mais c'est un l'aspect peu classique. intouchable. Voilà, c'est le mode ancien, le recrutement classique, basique, on n'arrive pas à voir ce public-là, on ne sait Exactement. Ouais, pas. Tout à fait. On essaie d'avoir une vision différente. on a. C'est bien de mettre en avant ces nouvelles pratiques et de dire bon bah voilà, on n'est pas là pour dire tu vas travailler pour moi ou quoi que ce soit. Ça va être un, comme tu disais, gamifié, hein, de dire voilà, c'est limite comme un jeu de rôle, c'est-à-dire que tu vas nous apporter des choses, on va t'apporter des choses, on va collaborer ensemble, et tout ça, on peut faire des objectifs, ça peut limite être des points, un scoring, donc Bah, c'est tu as quelque le chose qui terme, peut hein. être super intéressant. Tu as employé le terme juste, c'est l'histoire de collaboration. Voilà, c'est comment on peut collaborer ensemble. Ouais, c'est ça, à niveau égal en fait. Il y a plus de mettre de côté tout ce qui est hiérarchie, nivellement, etc. Et vraiment de se focaliser sur la collaboration, quoi. On voit que ces systèmes-là, alors, ils vont perdurer, hein, mais ils ont leurs limites. Et la crise qu'on vient de passer, elle a clairement montré les limites de ces systèmes-là. Donc l'idée, c'est qu'à un moment donné, de Effectivement. renouveler ces méthodes-là. Alors, on va s'attarder sur deux petites questions dans le chat qui nous ont été posées. La première par Audace, qui nous dit on peut donc concilier le sport et une activité e-sportive, ça a l'air complémentaire. Alors Corinne, par exemple, toi qui arrive dans ce milieu depuis quelques années, qu'est-ce que tu peux dire sur la complémentarité potentielle de ces deux pratiques? Alors, quand même, toute proportion gardée, je suis encore très novice hein, dans l'e-sport. Mais je pense que c'est tout à fait complémentaire. Il n'y a pas à les opposer. Ce sont deux pratiques comme toute autre forme de pratique sportive que l'on peut connaître, que l'on connaissait avant l'e-sport. Ce sont des compléments, ce sont des envies, ça répond à des besoins, à des désirs différents. Et de fait, elles peuvent tout à fait, on peut tout à fait jouer dans une équipe, je sais pas moi, de handball et également
être dans une pratique d'e-sport de n'importe laquelle. C'est le plaisir de rencontrer des personnes, c'est le plaisir à un moment donné bah, de découvrir autre chose et puis de performer dans cette autre chose. On peut aussi avoir, on peut se donner aussi des challenges personnels, collectifs, de la même façon qu'on a envie, eh bien, de ici, là, Aix-en-Provence, ben voilà, de grimper la Sainte-Victoire plus vite, plus en groupe, tout seul. Enfin bref, chaque chose est différente selon les personnes. Mais en tout cas, l'e-sport et le sport ne s'opposent pas. Ce sont des pratiques tout à fait complémentaires, différentes, qui apportent des choses à la fois différentes et qui s'inscrivent dans le projet et les besoins de la personne et des gens. On ne peut pas les opposer. Il n'y a pas à les opposer, en tout cas. Oui, bien sûr. Nicolas, peut-être un mot sur le fait que les deux sont complémentaires, hein, qu'on avait, y a peut-être la question d'une réflexion, peut-être, de l'intégration de l'e-sport dans les entreprises, proposition en tout cas à faire. Ah oui, tout à fait. Comme je disais que le sport corpo est une bonne chose, comme on voyait, ça se perd un peu. Hein, il y avait l'équipe de foot de l'usine à côté, de machin, puis on faisait le tournoi, on jouait contre les pompiers, les municipaux, etc. C'est une manière de pratiquer le sport, mais on pourrait imaginer exactement la même chose sur l'e-sport, avoir telle l'équipe de pas de CS, mais voilà, peu importe le jeu, c'est sur l'opportunité de rencontrer les gars de la boîte d'à côté, etc., nouveau du bien social. Et puis ben on s'est fait une partie de CS machin, un petit tournoi CS au week-end. La semaine prochaine, on fera la revanche au boule ou au foot ou une tournée de six, je sais bien. C'est la convivialité. Mais effectivement, jamais je n'opposerai le sport et l'e-sport. Et la question est peut-être arrivée un petit peu trop tôt. C'était une belle question pour Romain. MCES, c'est l'image même du mariage du sport et de l'e-sport. Alors, on aura un représentant MCES plus tard qui va nous rejoindre à 21h. Mais effectivement, comme tu le disais, c'est vrai que moi je pense à la ZLAN où la dernière ZLAN ils ont intégré une épreuve de pétanque dans les jeux vidéo, donc c'était assez rigolo à voir parce que évidemment pas tout le monde avait un niveau en pétanque, donc mais c'était marrant de voir vraiment cette intégration de sport dans en plein milieu d'une compétition e-sportive quoi. Après pour la pétanque, il y a des spécialistes, ils sont pas forcément, il faut plutôt les chercher par chez nous quoi en fait. Ouais, voilà, c'est plutôt dans le pays d'Arles et de Marseille qu'il faut aller chercher, effectivement. Alors, sur ce, on est pile dans les temps. Corinne, merci d'avoir participé à cette première partie avec nous. Nous allons nous dire au revoir ici. Merci Corinne. Merci à vous et bonne fin d'histoire. À bientôt. Merci, à bientôt Corinne, merci. Et du coup, nous allons je vais vous présenter, deux nouveaux invités qui vont nous rejoindre pour la deuxième partie de ce débat. Donc le deuxième sujet, la première personne, c'est Hugo Chabrouti et la deuxième personne, c'est Eva Mognar. Nous allons les accueillir tout de suite. Eva et Hugo, bonjour, bonsoir plutôt. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, merci de nous rejoindre. Je vais, à la manière de nos autres invités, je vais vous laisser vous présenter. Hugo, je te donne la main pour que tu puisses te présenter pour nous et nos spectateurs. Tout à fait. Et ben, donc je suis Hugo Chabrouti. Moi, je travaille dans l'e-sport depuis près de 10 ans et je suis cofondateur de deux startups dans ce milieu-là. Une première qui s'appelait eCorp Gaming, enfin qui s'appelle toujours eCorp Gaming et qui est une agence expérientielle RH. Donc j'écoutais un peu le live, donc c'était intéressant où justement on abordait ces sujets d'utilisation de l'e-sport dans un cadre corporate pour utiliser sur des sujets de recrutement, d'onboarding, de rétention de talents et puis pas mal de sujets corporate plus larges qui vont aller de l'inclusion, la parité, les enjeux intergénérationnels. Donc ça, c'est des sujets qu'on traitait régulièrement. Et puis, j'ai lancé il y a un an une nouvelle aventure qui s'appelle Skileo, et qui est donc une plateforme de recrutement à destination des joueurs de jeux vidéo, qui permet de valoriser, on va dire, un profil en utilisant les compétences développées au travers d'une partie de jeux vidéo.
Donc on va observer D'accord. comment les candidats se comportent dans une partie de jeu vidéo pour appuyer les soft skills qu'ils pourraient mobiliser en entreprise. Alors c'est super intéressant parce que j'aurais peut-être un comparatif à faire après. Bon, on va pouvoir en parler. Eva, merci d'être avec nous ce soir. Je vais te laisser te présenter aussi le même exercice que ton associé Hugo. Merci, merci Romain. Bonsoir à vous tous. Je suis ravie d'être parmi vous. Moi, je suis coach professionnel et je fais des formations en développement personnel. On fait des formations pour développer les soft compétences, les soft skills, c'est-à-dire les compétences qui sont nécessaires de travailler en équipe, d'atteindre des objectifs, de gérer les émotions, du stress et des conflits. Donc voilà, principalement c'est le développement des compétences de l'intelligence émotionnelle. Voilà, c'est ce que je fais. Je suis coach depuis plus de 15 ans. D'accord, très bien. Ok, donc il y a du parcours. Eh bien, Ah écoutez, oui. merci de nous avoir rejoints. Nous allons pouvoir commencer. Eh bien, la première partie de ce deuxième sujet, on va parler de formation professionnelle et de scolarité tout simplement, avec ce que ça comprend d'intégration sportive et e-sportive. Donc, Hugo, je vais pouvoir te laisser commencer dans les formations professionnelles. Je peut-être te lancer sur quelque chose d'assez pratique. J'ai fait pas mal d'entretiens l'année dernière et je suis tombé à 70% du temps sur les fameux questionnaires qui durent 1 heure et demie pour essayer de te profiler sans même te poser de questions. Aujourd'hui, je vois que tu proposes une solution de passer par une partie de jeu vidéo pour profiler quelqu'un. Déjà, comment t'es venu l'idée et ensuite, qu'est-ce que tu peux en tirer par rapport aux solutions, on va dire, plus conventionnelles? Effectivement, oui, le projet Skillo, c'est exactement ça, c'est de proposer en fait au candidat de mettre en avant son profil et ses compétences au travers d'une partie de jeu vidéo. Comment ça fonctionne dans le détail? Nous, on va mettre à disposition via du cloud gaming, des solutions de cloud gaming faites maison, une partie de jeu vidéo qui va permettre à n'importe quel candidat, qu'il soit joueur ou non joueur, qu'il ait le jeu, qu'il n'ait pas le jeu, de s'entraîner sur une partie et de faire son évaluation. Voilà. Et en fait, quand il fait sa partie, on va l'observer tout simplement et on va regarder comment il se comporte. Nous, en amont, évidemment, pour le jeu en question, on aura établi une grille d'évaluation qui nous permet de dire, enfin, de rapprocher, on va dire, un comportement et des soft skills. Je prends des exemples qui vont peut-être être un peu basiques, mais on peut se poser des questions sur un exemple comme, je sais pas, comme League of Legends, juste à la sélection des champions, qui est une étape parmi tant d'autres dans l'ensemble de la partie de League of Legends. Pourquoi le joueur choisit tel ou tel champion? Est-ce qu'il choisit champion Y ou Z? Et donc pourquoi il le choisit? Est-ce que c'est pour contrer son vis-à-vis, tu vois? Est-ce que c'est pour faire plaisir à son équipe? Donc est-ce qu'il a plus un esprit d'équipe? Est-ce qu'il a une capacité d'adaptation? Est-ce qu'il va le choisir juste parce que le personnage lui plaît, j'en sais rien. Enfin, tu vois, il y a plein de raisons qui sont intéressantes à observer, à comprendre en fait dans le comportement et les choix du joueur. Ce qui est intéressant dans l'usage du jeu vidéo, c'est que l'évaluation, elle est furtive. C'est-à-dire que quand demain je te fais jouer une partie de League of Legends, donc là je te donnais un élément, des variables, on en a 50 sur un jeu. Tu peux pas du tout biaiser l'évaluation en fait, parce que bah, tu sais pas sur quoi t'es évalué. On t'évalue évidemment pas sur la performance, on t'évalue évidemment pas sur la question de victoire ou de défaite, parce que ça n'aurait aucun sens. Mais voilà, l'ensemble des variables en fait sont inconnues du candidat. L'observation, elle est furtive, c'est-à-dire que le candidat en fait, on enregistre sa partie, on enregistre ce qui se passe et voilà, et on l'évalue a posteriori. Donc t'es totalement immergé dans le jeu en tant que candidat et donc t'as un effet de spontanéité qui arrive et qui est hyper important, hyper impactant parce que du coup bah forcément c'est un peu ta vraie personnalité qui va ressortir, les vraies compétences que tu mobiliserais dans un environnement traditionnel, donc un environnement d'entreprise ou un environnement de travail. Cette idée, elle nous est venue bah, au bout de quelques années chez Ecore Gaming, tout simplement. Comme je t'expliquais, hein, sur ma première aventure, on a monté une agence expérientielle. On mettait en place des dispositifs pour travailler des sujets de marque employeur, des sujets d'attractivité, des sujets de rétention de talent, des sujets, voilà, pas mal de sujets. Et effectivement, à force de discuter avec des décisionnaires RH, on s'est rendu compte qu'il y avait un sujet sur l'assessment, sur l'expérience candidat qui était de plus en plus importante au sein des entreprises.
comment on attire des gamers qui sont aujourd'hui au final des talents comme les autres, enfin, qui commencent à être compris comme des talents comme les autres. On commence à pouvoir dire qu'on est gamer sur un CV, à pouvoir le mettre en avant, à pouvoir l'expliquer, à pouvoir le valoriser. Donc comment on attire cette population-là, comment on la fédère, voilà, comment on, de plus en plus la partie, on va dire, expérience candidat est très importante pour les entreprises, pour valoriser et pour maximiser, on va dire, le taux de conversion. Attirer les candidats, c'est bien, mais si dans ton funnel d'entretien et dans ton parcours candidat, tu les perds, parce que ton parcours est trop long, parce qu'effectivement, tu me parlais, tu vois, d'un questionnaire avec 300 questions qui est hyper pénible à faire. Il faut bien se Ouais. rendre compte, il faut se mettre à la place du candidat pour le comprendre, en fait. C'est-à-dire que, en tant que recruteur, tu dis, oui, bah, c'est bon, il a un questionnaire, je le fais. Mais le candidat, lui, de son côté, s'il en a 10 comme ça, il pète un câble, en fait. Donc, c'est normal qu'il aille pas au bout. Non. Et au final, plus on se rend compte, plus on se dit que bah, c'est logique. C'est-à-dire que les meilleurs talents qui sont sur le marché de l'emploi, ils sont rarement en recherche d'emploi. Quand ils sont sur le marché du travail, ça va durer 2 semaines, 1 mois, et ils vont vite retrouver quelque chose. Donc en fait, ils n'ont pas envie de se prendre la tête à avoir un parcours candidat compliqué. Ils ont envie de prendre du plaisir. La recherche d'emploi, j'ai envie de dire, c'est un peu un kiff. C'est de se dire, OK, dans quelle aventure je vais aller? Qu'est-ce qui m'intéresse? Ce qui m'intéresse, c'est le projet. C'est pas, voilà, ça va pas être ces arguments-là. Donc c'est vraiment on a un schisme, entre guillemets, entre le recrutement il y a 20 ans et le recrutement aujourd'hui. Des profils et des talents. Je veux dire, il n'y a plus le même positionnement où avant, en tant que candidat, tu devais montrer patte blanche et on va dire te faire adouber par l'entreprise et le recruteur. Maintenant, on a une espèce d'équilibre où à la fois bon, tu dois toujours évidemment montrer patte blanche, montrer ton niveau, etc. et tes compétences, évidemment, ça paraît logique. Mais tu as aussi de l'autre côté le recruteur qui met en avant sa culture d'entreprise, voilà le management, voilà quels sont les sujets, les missions, les enjeux, voilà, pas mal de choses qui sont beaucoup plus importantes. Donc voilà. Donc pour répondre à ta première question, l'idée nous est venue tout simplement au bout de quelques années chez iCorpGaming. On a commencé à développer une business unit pour travailler sur ça. Donc au début, c'était vraiment que du présentiel avec des coachs, des experts RH. On mettait des jeux, on mettait des experts jeux, on analysait en live derrière l'épaule du joueur. Et puis on a commencé à itérer sur une solution digitale qui pourrait être accessible à tous. Très bien, merci pour cette réponse super détaillée. On a pu en apprendre plus sur ce que tu fais aujourd'hui maintenant avec Skilliotech. Skilliotech, hein, je prononce pas mal. Oui, tout à fait. Ok, nickel. Skilliotech. Et du coup, sur ce que vous pouvez proposer aujourd'hui dans un monde du coup, extrêmement concurrentiel. Eva, on parlait de formation pro, là, ça va être surtout sur la formation pro. J'ai cru entendre par ton homologue François récemment que Oui. il y avait des formations sportives pour devenir agent de sécurité, par exemple. Est-ce que tu peux nous en parler? Ah oui, bien sûr. C'était un projet dont le but était principalement de réintégrer les stagiaires dans le monde du travail parce que ils étaient au chômage depuis un moment et le but c'est de réintégrer tous nos stagiaires dans le monde du travail. Et le métier qu'ils ont appris, c'est l'agent de sécurité. Et bon, au début, on a évalué le besoin de recruteurs qui a déjà offert des contrats pour nos stagiaires. Donc, ils ont déjà commencé à travailler. Donc, on a eu les premières expériences. Donc, on a commencé par définir exactement quelles sont les compétences qui sont nécessaires pour pouvoir assumer le rôle d'un agent de sécurité. Et les séances de coaching étaient conçues à partir de ces besoins-là. Et on avait l'objectif de développer les compétences de l'intelligence émotionnelle pour pouvoir travailler en équipe, pour pouvoir gérer les émotions, maîtriser le stress, garder l'équilibre dans une situation conflictuelle, pouvoir communiquer dans une situation conflictuelle avec les clients. Donc, la communication non verbale et la gestion des conflits. Voilà. Et puis, on a
Ben, on a trouvé un bon moyen pour développer ces compétences-là, c'était le sport. Donc, on avait des séances de coaching pro le matin, et puis l'après-midi, on avait des séances de coaching sportif. Et les séances de coaching sportif étaient conçues juste en fonction de nos sujets du matin. Donc, c'était un parfait équilibre dans le coaching, des différentes méthodes de coaching. Et ce qui était très, très intéressant, c'est que parfois, nos stagiaires avaient du mal à coopérer, à travailler dans une équipe parce qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler en équipe. Donc, c'était évident et ça allait à merveille pendant les séances de coaching sportif, pendant les jeux d'équipe. Donc, c'était très intéressant de voir ce que l'utilisation des compétences de l'intelligence émotionnelle était très, très naturelle pendant les séances de coaching, pendant les compétitions, pendant les jeux d'équipe, pendant les combats. Et voilà, on n'avait qu'à s'en servir pendant les séances de coaching professionnel le matin. D'accord, très bien. Et, merci pour toutes ces explications déjà, et puis merci pour cette réponse. Jawad, je voulais te poser une question au sujet de là, je pense qu'on a fait le tour un peu des formations pro-scolarité, à moins que tu veux y rajouter quelque chose, mais on va s'intéresser au métier du sport et de l'e-sport dans ce que propose Edis aujourd'hui. Est-ce qu'on voit de plus en plus un attrait important au sein des entreprises pour, je pense par exemple au séminaire hein, comme ça, mais pour fédérer les gens et fédérer les équipes au sein des entreprises à travers, je sais pas, par exemple voilà, des événements sportifs, etc. Et est-ce qu'on a des gens qui sont spécialisés là-dedans? Est-ce que toi tu as une expérience par rapport à ça? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la partie fédérée, du coup, ce qu'on appelle tous les événements qui sont organisés pour les entreprises, ça a toujours existé. Donc, il y a toujours eu des événements, des incentives qui étaient faits pour l'entreprise. Pour revenir par rapport à ce que disait Hugo, effectivement, aujourd'hui, à une époque où effectivement il fallait qu'on fasse patte blanche pour trouver un emploi. Aujourd'hui, ça s'est inversé du fait qu'on a un problème qui est à l'inverse, un peu le problème de riche, c'est qu'on a des offres d'emploi, on n'a pas de main-d'œuvre en face. Donc les gens aujourd'hui, forcément, les personnes qui arrivent aujourd'hui ne sont plus forcément à dire ben, je vais bosser 2 heures par jour, mais ils vont chercher un équilibre de vie aussi pour continuer à profiter de leurs loisirs à côté. Donc, ils vont chercher un équilibre entre le travail et la partie loisir. À côté de ça, effectivement, ben pour l'entreprise, toute la difficulté, c'est de se dire comment je vais pouvoir intégrer ben, ce nouveau talent-là à mes effectifs et à mes équipes aujourd'hui en place. Donc, il y a la question intergénérationnelle aujourd'hui qui peut se régler à travers le sport et le e-sport, par exemple. Quand on travaille quand on est joueur de e-sport ou de jeux vidéo, mais plus global, effectivement, on développe des compétences transversales qu'on peut adapter facilement à l'entreprise. Donc, Hugo l'a dit, hein, la capacité d'adaptation, il y a aussi l'anticipation, un raisonnement stratégique, la communication, le leadership, l'esprit d'équipe, tout ça se travaille. Donc, forcément, ces publics-là, aujourd'hui, sont plus faciles à intégrer à une équipe déjà formée. Et donc, de ce fait-là, on va aller chercher des événements qui vont pouvoir rajouter, enfin, faire le lien, en fait, entre toutes mes équipes. Et de ce fait-là, ben, ce sera le sport. Donc, à travers encore une fois, je le dis, hein, des liens intergénérationnels. Et dans une mesure ben, qui commence un peu à sortir du lot, on va aller chercher le e-sport, puisqu'on a vu, par exemple, que dans le cadre de rencontres emploi, on a fait jouer des candidats à des recruteurs. Donc, D'accord. même que ce soit à FIFA ou à d'autres, donc des événements se sont créés où on a fait rencontrer recruteurs et joueurs. Et les deux se sont ben, forcément, ça désinhibe un peu ce côté, ce format très classique. Très, on va dire, ça démystifie un peu Très le recrutement. académique. Ouais, Ouais, très académique, très d'accord. protocolaire, où effectivement, on a un lien hiérarchique, je suis face à un recruteur, ce boulot, j'en ai besoin, je mets tout là-dessus. Ben, aujourd'hui, ça s'inverse un peu, et on fait face à des personnes, on échange. En fait, ce qui était hier l'entretien d'embauche devient aujourd'hui un échange pour un recrutement. D'accord.
Donc c'est un Donc réel en fait, échange humain que tu mets en avant au lieu oui. enfin au-delà d'un simple entretien comme on l'appelle, c'est vraiment un échange, une rencontre entre deux personnes et un échange qui va durer une demi-heure, une heure et demie sur voilà des activités qu'ils vont faire ensemble, etc. Ben disons qu'aujourd'hui, effectivement, ce sur quoi les recrues, par exemple, nous chez Ediz, le CV papier, on n'utilise plus. On va plus demander d'apporter un CV D'accord. papier. Ce qui nous intéresse, c'est aujourd'hui qui est la personne et ce qu'elle souhaite faire demain. Donc, ce qui hier était D'accord. juste une ligne dans le CV, à savoir les centres d'intérêt, ben aujourd'hui, on se dit, on va pas les gommer et puis on va travailler parce que ces centres d'intérêt-là vont être révélateurs, ben, de soft skills dont on a besoin pour recruter, pour travailler demain. Donc, on va se baser aussi sur ça. Et donc, en fait, on essaie de faire le chemin à l'inverse. Donc c'est vraiment dans ce sens-là D'accord. aujourd'hui où on va essayer de réfléchir, de penser à un modèle. En fait, ce qu'il faut, c'est seulement penser à un modèle d'entreprise qui soit différent de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Voilà. Oui, bien sûr. Et un D'accord. modèle Ok, très bien. recrutement différent. C'est-à-dire Il, Nicolas, qu'aujourd'hui, tu veux en fait, ajouter quelque chose, je t'en prie. Ce qui me juste du plaît, coup, en Jawad, fait, ce que je... Pardon. dans la démarche, c'est-à-dire que c'est de trouver d'autres moyens, parce qu'il y a demandeurs d'emploi et offres d'emploi. Les offres d'emploi, il y en a un, et on n'a pas de réponse. Nous, on a rencontré beaucoup de chefs d'entreprise au territoire, la restauration en particulier, mais ce n'est pas les seuls secteurs, ils n'arrivent pas à ouvrir 7 jours sur 7 en ce moment dans la saison touristique, etc., parce qu'ils n'arrivent pas à compléter leurs équipes, etc. Difficulté de recrutement. Et c'est même pas au niveau de l'entretien que ça va coincer, etc. C'est au niveau de, il y a l'offre, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui se présentent vis-à-vis de cette offre. Et il faut trouver de nouveaux canaux pour faire savoir qu'on va recruter. Et je pense que le fait même d'utiliser d'autres canaux, d'autres manières de recruter, montre l'entreprise sous une autre facette et va donner envie à des jeunes de candidater alors qu'ils n'auraient pas candidaté sur une offre très trick, etc. Donc la démarche e-sport en est une. La démarche sport, effectivement, nous avons un élu qui a organisé à Saint-Martin-de-Crau une rencontre en foot. Sport, hein, on parle pas e-sport, foot, on venait jouer contre le patron qui cherchait à embaucher. C'est une autre démarche, un autre moyen de se rencontrer. J'ai connaissance d'une agence d'intérim, je crois que ça s'appelle Job Truck ou un nom comme ça. Elle est plus dans ses bureaux, elle est c'est pas un food truck, c'est un job truck, ça porte bien son nom, et elle se déplace depuis le territoire. Je pense qu'il faut effectivement repenser cette manière de faire et de proposer l'emploi différemment pour donner envie dans l'entreprise. D'accord, donc ah ouais, il y a vraiment une envie de bousculer les codes. Jawad, je te laisse dire un mot, bien sûr. Ouais, juste pour compléter, donc Nicolas, je partage complètement l'avis de Nicolas. L'idée aujourd'hui, c'est qu'effectivement, et pour les boîtes d'intérim en l'occurrence, l'idée c'est qu'aujourd'hui, les gens ne poussent plus les portes de l'agence d'intérim, comme à l'époque où j'avais mes CV et je faisais toutes les agences pour aller chercher un boulot. Ça se fait plus, c'est fini. On l'a vécu d'ailleurs, bon, c'est un parallèle un peu, c'est un raccourci, mais on va aller prendre un exemple aussi. On l'a vécu récemment avec les élections où les gens ne se sont pas déplacés. Donc les gens ne se déplacent plus. À partir du moment où les gens ne se déplacent plus, la question n'est pas de dire pourquoi vous ne venez plus, mais comment je fais en sorte de venir à vous. Donc Job Truck, effectivement, ce sont des gens qui se déplacent sur site directement dans les camions avec tout équipés hein, pour aller à la rencontre des talents. Mais effectivement, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'on est sur un modèle qui est différent. Et c'est comment je peux aller vers ces demandeurs d'emploi-là qui cherchent aujourd'hui un boulot. Mais aujourd'hui, effectivement, quand ils cherchent un emploi, ils ne sont pas prêts non plus à tous les sacrifices pour trouver un job. Donc c'est là où charge est à l'entreprise de renouveler son offre et de revoir son positionnement. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est d'imaginer peut-être à un moment donné bah, l'entreprise comme une partie de jeu. Aujourd'hui, dans les métiers, on va dire, les joueurs de sport professionnels, e-sport, et acteurs et comédiens sont les seuls à dire je vais jouer et non pas je vais travailler. Peut-être que si on arrive à généraliser cette vision-là et de dire ben, on va essayer de voir aussi le travail comme une forme de jeu où il y a des step by step, hein, où il y a des étapes à franchir, des paliers à passer, on va le passer ensemble. Bon, on essaie de voir un peu les choses différemment et de se dire ben, je vais pouvoir avec ça aller capter un public qui de lui-même ne serait pas venu à moi. Donc c'est vraiment tout ce D'accord. modèle-là qui est à revoir, c'est l'ensemble. D'accord. Et Hugo, je voulais te poser la question. On parle de métier de sport, d'e-sport, de recrutement.
Chez Skillotech, à travers les jeux vidéo, tu vas arriver à peu près profiler quelqu'un sur comment il va pouvoir se comporter en entreprise dans un environnement professionnel. Est-ce que tu as aussi l'aspect où tu as des entreprises, par exemple autour du sport ou de l'e-sport, avec qui tu collabores et que tu leur permets de découvrir ce qu'une personne peut faire. Par exemple, je prends un cas de figure, mais quelqu'un qui joue depuis très longtemps aux jeux vidéo et qui se trouve à vouloir travailler dans l'e-sport, comment ça se passe si on veut le profiler au travers d'un jeu vidéo? Comment ça va se passer? Si c'est quelqu'un qui est Alors, du milieu déjà. si c'est quelqu'un du milieu, il y a forcément une appétence et une facilité. Nous, c'est pour ça que les grilles, elles sont pondérées effectivement en fonction du niveau de jeu du joueur. Donc après, c'est du déclaratif, hein, évidemment. On peut pas évaluer le joueur, mais effectivement, je prends un exemple, hein, je reprends l'exemple de tout à l'heure, si tu es joueur de League of Legends, tu auras beaucoup plus de facilité à te comporter. On va dire et à faire à te comporter correctement, tu vois, en équipe, à être leader, à avoir une prise de recul sur un jeu que tu maîtrises que sur un environnement que tu ne maîtrises pas. Ça paraît totalement logique et c'est pour ça que les grilles, voilà, comme je dis, elles sont pondérées en fonction du niveau d'appétence du joueur pour la pratique vidéoludique. Donc ça nous permet effectivement, voilà, un néophyte complet qui a jamais joué à un jeu vidéo et qui voudrait passer le test skillo peut aussi le faire. Évidemment, on va pas le mettre sur du League of Legends, c'est pas le jeu le plus accessible. Mais c'est des choses auxquelles on sait totalement répondre. Après, il y a d'autres moyens qui existeraient, mais qui seraient un peu biaisés pour évaluer des candidats ou pour évaluer des joueurs qui sont des joueurs depuis de longue date, tu vois. On a réfléchi à des modèles à un moment, tu vois, où on voulait se dire, OK, on pourrait se connecter aux API de Steam, aux API de plein d'autres plateformes pour récupérer de la data sur le comportement des joueurs, tu vois, sur tes X dernières games. Voilà. Le problème de ça, c'est que sur tes X dernières games, bah, t'as peut-être un moment trollé, t'as peut-être joué pour le fun avec tes potes, enfin, tu vois, t'étais pas dans un environnement sérieux, entre guillemets, Y a pas que du sérieux, ouais. Voilà, et donc ça biaiserait complètement l'évaluation parce que si à un moment t'as pas du tout communiqué avec ton équipe, mais parce que en fait c'était un jeu, j'en sais rien, tu vois, ou parce que t'étais en train d'écouter une playlist en même temps, tu vois, et que t'avais pas envie de parler, parce que t'étais là pour te chill, bah voilà, et le prendre en compte, ça biaiserait totalement l'évaluation. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est nous qui créons ces sessions de jeu où on met le candidat dans un environnement un peu structurant, entre guillemets. Voilà, de toute façon, il sait, même si c'est une session de jeu, il sait qu'il est en évaluation. Donc voilà. Ouais, du coup c'est dans un cadre plus professionnel, du coup puisqu'on lui dit, il sait que c'est une session de jeu, mais il sait qu'il est là pour se faire évaluer, À fait. donc il connaît pas les points d'évaluation, mais comme tu disais tout à l'heure, il va pas pouvoir influer. Mais voilà, c'est sûr qu'il faut pas. Je pense que si les recruteurs avaient vu mon historique Steam et League of Legends et qu'ils s'étaient basés là-dessus, ce serait pas passé pareil. Mais voilà, donc heureusement que c'est pas pris en compte parce que forcément, on n'est pas toujours dans le cadre de jouer sérieusement, jouer de manière la plus professionnelle possible. Des fois, on a juste envie de s'amuser, de faire un peu n'importe quoi, et c'est pas, ça reflète pas notre condition, en tout cas dans un milieu professionnel. En troisième point de ce sujet, j'aimerais aborder le terme des serious games. Je sais pas si tout le monde est familier avec ce terme-là. Eva, ça te parle le terme serious game? Pas vraiment. Pas vraiment. Alors, c'est le fait du coup pas de soucis, hein, mais c'est pas un piège, tout va bien. C'est le fait du coup à travers des jeux, de développer justement ces soft skills. C'est ceux dont on parlait avant. Ça, c'est quelque chose que tu connais, les soft skills, j'imagine. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et on utilise bien les moyens de coaching sportif, les techniques de coaching sportif. Et on utilise souvent des mises en situation, des jeux d'équipe, des activités en équipe. Donc, oui, dans ce sens-là, oui, ça me parle. En effet. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a vraiment cet aspect d'aller chercher à travers le sport? Qu'est-ce qu'on va aller chercher, par exemple? On peut avoir un exemple pratique, hein, mais dans un sport d'équipe, qu'est-ce qu'on va aller chercher chez quelqu'un comme soft skills qui puisse développer, et qu'est-ce qu'on va aller chercher dans une activité sportive?
Donc, tout d'abord, c'est de comment il est capable de respecter les règles du jeu et comment il est capable de gérer les situations conflictuelles pendant le jeu. Comment il peut coopérer, collaborer avec les coéquipiers. Comment il peut mettre en valeur ses compétences et comment il peut gérer le stress. Comment il peut respecter ses adversaires. Comment il peut trouver des solutions stratégiques et comment il peut mettre en valeur ses idées, ses points de vue, ses objectifs personnel aussi en respectant les objectifs de l'équipe, de toute l'équipe. Donc c'est ça. La capacité de l'adaptation, l'adaptabilité, la coopération, la gestion des émotions pendant les jeux, ce sont très importants. Ça nous montre comment cette personne peut travailler en équipe, comment il peut résoudre des conflits. Donc, ça se voit très Très bien. bien pendant les jeux. D'accord. Donc il y a vraiment voilà, un développement et comment dire, une présentation, une mise en avant de ces soft skills à travers ces jeux et ces activités sportives, etc. Alors, avant de clôturer ce sujet, je vais juste récupérer une petite question. Bon, c'est dirigé pour Hugo. Il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'on peut mesurer ses skills sur Skillotech? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Alors, comment ça se passe, le processus chez Skillotech? Oui, alors donc Skillotech, l'aventure, elle est toujours en cours, hein. On est en train de développer la plateforme. Aujourd'hui, on peut déjà se préinscrire sur le site. Nous, on lancera une bêta fermée à la fin de l'année 2021. Donc c'est déjà possible effectivement de s'inscrire pour venir tester l'outil. On a déjà fait des tests effectivement utilisateurs qui fonctionnent très bien et les premiers retours qu'on a sont très satisfaisants, à la fois sur des gamers et surtout des non-gamers. Voilà. Donc après. Venez, venez tester, il n'y a pas de problème. C'est bon, c'est une bonne Je vais pub, mettre hein, une juste promotion. venez. Voilà, Voilà, exactement. non, mais Venez. y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Eh bien, écoutez, je pense qu'on est arrivé au terme de ce deuxième sujet. Je vais remercier Nico Assoumanié, Jawad Elmiri et Eva Mogdar. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci Merci d'avoir à vous. partagé vos expériences. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Bonne Au soirée, revoir. bonne continuation. Merci Au et bonne revoir. soirée. Et merci à tous d'avoir participé avec nous à cette conférence ce soir. Vous avez été nombreux à participer dans le chat et à nous suivre. On vous en remercie. Nous avons bien avancé sur la question de l'éducation par le sport et l'e-sport. Nous avons bien découvert les expériences de nos différents invités qui nous ont fait l'honneur d'être là ce soir. Donc merci à eux encore une fois. Je vous souhaite quant à moi une excellente soirée et je vous invite le samedi 10 à nous retrouver sur la chaîne d'MCES pour suivre en direct l'eSport Challenge 2021. Merci à tous, bonne soirée.